Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petit bricolage aujourd'hui. Oui, un petit bricolage, ça fait longtemps. J'avais acheté, là, quelque temps déjà, ces mini bouquets de fleurs. Et quand j'ai quelque chose en un exemplaire comme ça, j'ose pas l'utiliser. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais ça me tanne. Puis là, j'ai dit, hey, regarde, t'es capable d'en faire, let's go. Je sais pas, écoutez, probablement que toutes les bricoleuses ont ça à la maison. C'est du ruban pour les fausses fleurs. Ça se vend partout, là. Partout ce que des matériels de fleurs, des fausses fleurs et quoi que ce soit, vous pouvez trouver ça. Ici, chez Dollarama. Chez Dollarama, moi, c'est là que je les achète. Là, j'en ai plusieurs. J'en ai encore deux autres ici. C'est fantastique. Là, je vais me faire mes petites fleurs. Donc, j'ai commencé avec du rose. Fait qu'on va continuer dans la même teinte parce que je vais faire un bouquet. Donc, pour faire un bouquet, faut un minimum, hein, un minimum de, mettons, 3 ou 4 fleurs. Ah, peut-être 5. Ouais, probablement 5. Moi, j'aime bien les chiffres impairs. Donc, j'avais ces petites fleurs-là qui sont en papier mûrier, mais vous pouvez les faire. Moi, c'est parce que je les avais déjà de fait, mais vous pouvez les faire aussi dans vos papiers, là, il n'y a pas de problème. OK, moi, je mets un petit peu de colle parce que je veux que ma fleur se tienne. En fait, je veux pas que mes pétales bougent. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est juste pour aligner mes pétales. Je regarde lequel côté de ma fleur qui est le plus beau. Regardez, moi, c'est vraiment juste là pour aligner, pour pas que mes pétales soient dans le même sens là. Et voilà. C'est le fun d'être en congé, de rien avoir de planifié, que chéri lui travaille, donc vous êtes sûr de pas vous faire déranger. C'était les plus pâles ou les plus foncés? Je pense que j'ai joué pas mal avec les deux. Tiens. Je suis allée dans le plus foncé, mais là, je vais aller dans le plus pâle pour la prochaine. Je commence par mes fleurs. Comme ça. Puis, pour la petite dernière, je vais y aller avec un blanc pâle. Pas un blanc pâle, un rose pâle. Hein? Parce que dans un bouquet de fleurs, il y a souvent des fleurs qui sont un peu plus fanées que les autres. Comme ça. OK. Un coup que ça c'est fait. Je vais percer. Moi, j'ai un pic là. Vous prenez n'importe quoi de pointu, il n'y a pas de problème. Je viens juste faire un trou dans ma fleur pour pouvoir glisser. J'ai fait pas mal gros mon trou. C'est pas grave, je mettrai une goutte de colle après. Et là, je viens prendre mes pétilles.
J'essaye de les mettre égales, en tout cas le plus possible. Pas comme ça. Et je vais entrer mes pastilles. Pour ceux qui se demandent, là, ce petit outil-là, là, c'est juste une broche comme ça d'aluminium que j'ai coupé un morceau. C'est du vin gauge pour ceux qui veulent savoir. J'ai coupé un morceau et je l'ai plié en deux. J'essayais de suivre mon idée. Ici, j'ai des petites branches de métal. Des petites, ça venait en paquet comme ça. Je vais juste la couper en deux, celle-là, parce que je la trouve trop longue. Tiens, comme ça. J'ai juste la mettre avec mes pistilles comme ça. Ici, je vais mettre une petite goutte de colle pour pas que mes pistilles sortent. Puis, je vais en profiter pour venir coller mon petit ruban. Un coup qu'il est collé là, au début, là, après ça, ça va très très bien. Mais si je le colle pas au début, ça glisse. Donc, ce petit ruban-là, là, ce qui est le fun, c'est qu'il s'étire. Puis c'est en l'étirant qu'il vient tout coller. Donc, j'ai enrobé la queue de mes pastilles avec mon petit morceau de métal, juste pour me faire que ma tige de fleurs soit plus longue. Comme ça, ça va être plus facile à attacher ensemble. Hein? Tiens, ça recommence déjà à ressembler, hein? Qu'est-ce qu'ils ont passé? Donc, on en fait une autre? J'ai les doigts qui collent parce qu'à longue, ce petit ruban-là, là. J'ai pas besoin. Je vais juste me faire un petit peu de place. Tiens, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Comme ça. Les ciseaux, oui, j'en ai besoin. Les outils, non. Bon! Hein? Là, ça va faire. J'étais en train de penser. On fera les feuilles après. Le feuillage après. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on fait un trou dans nos fleurs. Je me sors trois pistilles comme ça pour m'en faire six. Là, j'y vais tout avec le même modèle parce que comme c'est pour faire un bouquet. Vous pouvez faire des bouquets mélangés aussi, c'est à votre idée. Et voilà. Je vais entrer mes pistilles. J'ai les doigts qui glissent. Je vais prendre ma petite pince pour être sûre de ne pas tout maganer. Ah. Et voilà. J'ai rentré comme faux. Et c'est laquelle qui... Ah, c'est celle-là. Ah, comme ça. Donc, même chose, je viens prendre ma petite branche ici, ma petite tige de métal, mettre ma petite goutte de colle.
branche de métal n'était pas longue, fait que j'essaie de la pogner avec mes pistilles. Bon, je l'ai eu. Et voilà. Un coup qu'on l'a là, ça va bien. On a juste à twister. Tiens. Comme ça. Ah, j'ai les doigts tout collés. Dans ma vidéo, une de mes dernières vidéos, je vous parle d'un petit tirage que je vais faire. J'ai décidé d'étirer le tirage jusque, oh, oh oui, la mi-septembre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? 15 septembre. En fait, je vous explique. C'est le temps de l'été. Des vacances. Après ça, les enfants vont commencer l'école. Et ça va être l'effervescence et tout ça. Et le 19 août, j'ai un événement spécial. J'ai un événement très, très, très spécial. Donc, que je suis en train de planifier et je ne serai pas disponible. Alors, attendez un petit peu, j'ai pas coupé ma branche, ma tige. Donc, en fait, c'est ça. J'ai un événement spécial. Je me marie. Donc, officiellement, là, oui, ça va être vraiment mon époux. Et ça fait très longtemps qu'on est ensemble, puis on n'était pas sûr et tout, hein? C'est toujours l'insécurité. Puis là, bon, c'est décidé. Alors, ben, c'est ça. Donc, c'est une des raisons qui fait que j'étire ça jusqu'au 15 septembre. Donc, pour ceux qui n'écoutent pas mes vidéos jusqu'au bout, ils ne sauront pas que je me marie. Non, non. Ils ne sauront pas. C'est correct. C'est correct. Regardez, je hein? Mais j'ai envie de vous le dire. Au début, on gardait ça. Je gardais ça plus discret, mais, j'avais vraiment envie de vous le dire. Hein? Ça commence à avoir de l'air un bouquet. On y va avec la dernière? Après ça, il faut juste prendre une lingette pour m'essuyer les mains avant de... Allez, pique! Bon! Avant de faire la finition de mes petites fleurs. Parce que j'ai vraiment les doigts collés à cause du ruban. Et voilà. Je vais préparer ma petite tige. Elle est là. Petite broche. J'ai vraiment les doigts collés, fait que là, ça travaille pas bien. Je vais prendre mon outil parce que comme j'ai les doigts collés, ça se travaille tellement pas bien là.
Et voilà. Je me sens malhabile. Mais là, j'ose pas me laver les mains tout de suite parce que je vais continuer de refaire du ruban et ça va recoller tout de suite. Bah! Je mets ma petite broche. Je prépare mon petit ruban. Et voilà. Bon, attendez un petit peu, je me prends une lingette. Ah, ça fait du bien. Mon Dieu, j'avais l'impression que c'était rentré dans mes... Tiens, un beau petit bouquet. Attendez un petit peu. Je vais aller prendre... J'ai des petits feuillages. Où j'ai mis mes petits feuillages? Petits feuillages. Enfin. Installer ça comme ça. Ça va être et voilà, petit bouquet, puis je vais juste, me couper une petite ficelle. Et me faire une jolie petite boucle. Ça peut arrêter de glisser. Ah.
j'ai fait ma boucle large pas mal. Allez, on tourne la boucle. Bon, c'est bien, t'es bien malhabile là. Que mes feuilles ne veulent pas rentrer dedans. C'est ça mon affaire. Bon, ça y est. Ça y est. Ils n'ont pas tout collé. Ça va tenir. Puis tiens, on va faire sûr que ça tienne. On va venir y mettre une petite goutte de colle. Et voilà. Ah, ça va faire l'affaire. Donc, je viens faire ma mini boucle. Si j'arrive. Bon, je l'ai eu. Comme ça, on vient couper l'excédent de la petite corde et voilà un très mini, un très joli mini bouquet. Puis là, juste pour vous montrer, j'ai fait des tags avec vous en vidéo plus tantôt. Juste vous montrer comment ça peut être joli. Regardez. Hein? Ça l'habille parfaitement. Donc, ben moi, je continue à me faire des mini bouquets parce que je sens que je vais en envoyer à des copinettes. Et comme ça, j'en aurai plus juste un ou deux. Ouais! Alors, ben moi, je continue ça. Puis sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye-bye.